heureux. Du coup, au vu de ce que je vois, alors oui, j'ai installé du coup deux modes depuis tout à l'heure. Donc, alors on entend double. Attendez, je vais, voilà, la rediff, on la met là. Hop. Du coup, j'ai installé un mode où là normalement dedans devrait se trouver. Voilà, la résolution a énormément de problèmes. Donc, alors c'est pas que c'est pété. D'accord, c'est que la maison, j'ai dû la construire déjà une bonne quinzaine de fois. Donc au bout d'un moment, on gagne du temps. Ensuite, j'ai installé un mode, donc, enfin, que je connais depuis belle lurette, mais qui n'était pas encore présent dans ce mode pack, c'est devenir propriétaire terrien. On va voir comment ça se passe, il faut acheter une copie de comment devenir propriétaire. Et en fait, ça va nous permettre d'acheter des propriétés à droite, à gauche, que l'on n'occupera pas, mais qu'on louera au PNJ de bord de ciel. On peut même acheter des tavernes, etc., avoir des revenus. Donc franchement, c'est tout bénef. On a un nouveau menu. Ça devrait être... Voilà, c'est ce mode. Voilà, qui nous permet donc d'avoir, en fait... je vais conserver ça. On doit avoir... Tac. C'est qui vous aurez besoin des atouts pour acheter des propriétés. Maison négociation. Allez, on va décocher ça, c'est pas la peine donc de jouer avec les atouts éloquence pour le coup. Hop, c'est tout bénef pour nous. Allez, super, donc on va pouvoir poursuivre la construction et on va gagner un temps fou. Donc je vais récupérer tout ça et on a même les 5000 balles de rembourser dans le coffre. Bon, on a 16000 boules, donc j'ai envie de vous dire, ça va pas changer grand chose, ça va pas péter notre game. Donc super, Zoris le bâtisseur va pouvoir bâtir la porte. Ensuite, on peut faire une fonderie, des enclos pour animaux. Enclos pour animaux, c'est très important. On va faire ça. Un jardin, une meule, une ruche. Une ruche, c'est très important. On prend. Des écuries. Des écuries, c'est indispensable pour Orturne. On va le faire dormir là-dedans. On prend. Ensuite, un petit jardin, une fonderie, une meule, un établi d'armurier. Super. Normalement, tout ça devrait avoir été construit autour de nous. Super, super. Voilà la maison d'Orturne. On emmènera là-dedans, là. Super. Du coup, la maison en elle-même, bah, si vous voulez, elle est finie en soi au niveau de la bâtisse, je pense. On va voir un petit peu à l'intérieur comment ça rend. Donc il ne doit rien avoir du tout. Il n'y a rien. Mais c'est un beau toit. Et un petit coffre déjà. Et ça va être l'établi de charpentier. Donc il nous servira après à décorer à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est que on va rester ensemble pour la construction. Parce que du coup, on va devoir prendre des décisions de quelle salle on va mettre, etc. Et du coup, après, je vous ferai visiter, hein, moi, quand j'aurai fait toutes les pièces intérieures, etc. Parce que ça, c'est un peu moins intéressant. Donc, je vous ferai visiter à la fin. Donc, maison retirée établie, maison pièce principale. Alors, on va faire la pièce principale, hein, le salon. La porte de la pièce principale, les fondations. Donc, la pièce principale, c'est une pièce en plus. Du sol, les structures murales, les murs. Et il y a un étage, du coup, la pièce principale, super. Le mur de l'étage, la structure du toit et le toit. On peut faire une cave. Top. Impeccable. Donc là, ça devrait s'être considérablement agrandi. En effet, là, c'est une longée. Ouais, là, ça commence à avoir de la gueule. Sous cette pluie battante, de continuer de bâtir. Alors, du coup, on va devoir faire un choix. Et c'est pour ça que je voulais vous garder avec moi. Au niveau de l'aile est, on va commencer par ça. Donc, soit on fait une armurerie, exposer nos armures. Soit on fait une bibliothèque, soit on fait une cuisine. Soit on fait une cuisine parce qu'on considère qu'ici, ça va être notre maison, un petit peu pour notre femme, etc. Ce que je pense faire. Soit on fait une bibliothèque pour du coup commencer à trier tous les livres. Ça peut être très intéressant, mais de mémoire, pas non plus un espace de fou furieux. Soit on fait une armurerie. Je pense qu'on va partir sur la cuisine. Je pense qu'on va partir sur la cuisine pour la bonne et simple raison qu'ici, ça va être le QG familial. Ouais, on va faire comme ça. Cuisine.
Ensuite, Elnor, du coup, on a le choix entre un laboratoire d'alchimie, une réserve. Autant vous dire que ça ne sert à rien, la réserve, ou salle des trophées. Moi, je pars sur salle des trophées fort, hein, je pense. Ouais, salle des trophées. Allez. Laboratoire d'alchimie. Pourquoi pas après? Ouais, salle des trophées, c'est stylé quand même. L'aile ouest, une serre. Une tour de l'enchanteur, donc serre non, parce que sinon on aurait pris le laboratoire d'alchimie. Une tour de l'enchanteur. C'est tout. Ou des chambres. Ok, on va prendre des chambres. On a dit que c'était la maison familiale. Et ensuite, on peut tout repartir à zéro, donc c'est pas le but du tout. On a les plans, maintenant il faut fabriquer les fondations, le sol, les supports muraux, le toit, les murs. C'est bien, c'est bien. Ah oui, d'accord, mais c'est un par un. Hein. Alors, est-ce qu'on avait dit cuisine? Voilà. Impeccable. Hein. Ensuite, Elnor, on avait dit... Franchement, ouais. Ouais, salle des trophées, allez, c'est parti. Nickel. Il nous reste du coup l'aile... La cave. Non, c'est bon. Non, en fait, c'est tout, ok. Ouais, c'est tout bon, hein. Au niveau des décisions, bah, si vous voulez, c'est tout, ok. Allez, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que moi, en off, je vais tout simplement finir la baraque. Je vais la décorer, etc. Et je vous fais visiter ça sans plus tarder. À tout de suite.